Mesdames et messieurs, beste dames et herren, au nom de la BNB, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique. Beste dames et herren, het is een genoegen om jullie allemaal opnieuw hier te mogen ontmoeten voor deze présentatie van het jaarverslag. Et comme vous le savez, à la Banque nationale, nous mettons en toute indépendance notre expertise au service de notre pays et nous contribuons ainsi au débat sur l'économie et sur les défis que doivent relever nos responsables politiques. Zeker nu in een maatschappij die steeds meer polariseert, moeten wij als Nationale Bank streven om die rol te blijven spelen. Moeten wij objectieve data geven om te duiden wat er in de economie gebeurt. Met alle nuances. En dat is niet altijd gemakkelijk in een context van scherpe titels, clickbait, tweets, fake news. Maar het is onze rol, denk ik, als Nationale Bank om uitleg te geven bij die complexe wereld op een evenwichtige en een genuanceerde manier. Uitleg geven, ou publier des articles, des analyses, des projections économiques, nous le faisons fréquemment, tout au long de l'année, mais notre publication clé reste notre rapport annuel. Het is een vaste waarde, met uitzondering van ons beginjaar in 1850 en ook de enkele jaren van de wereldoorlogen, hebben we tot nu toe geen enkel jaar gemist. Dat maakt dat we dit jaar aan de 165ste editie zitten. Uiteraard niet in dezelfde format en dezelfde stijl en dezelfde inhoud als in die beginjaren. In die 165 jaar zijn we echt geëvolueerd van een puur bedrijfsverslag tot een echt naslagwerk op economisch, financieel en monetair terrein. Et avant-hier, nous avons publié notre rapport annuel 2023. Je vous invite à consulter notre site web où, outre le rapport, vous trouverez également les interventions en vidéo de nos experts. Et aussi, vous pouvez télécharger vous-même aussi l'ensemble des données. Comme vous pourrez le constater, c'est à nouveau un épais volume de 340 pages rempli d'informations, connaissances et de chiffres. C'est un ouvrage auquel la plupart de mes collègues de la BNB ont contribué, directement ou indirectement, et c'est bien sûr cela qui le rend spécial aussi pour nous. Beste public, wij vinden het niet alleen belangrijk om die analyse te publiceren, maar ook willen wij die presenteren en uitleggen voor het publiek in alle steden in België, in alle grote steden in België, in alle economische centra van het land. Il est très important pour nous de discuter de ces analyses et de les confronter à votre réalité de tous les jours. In dat kader hebben wij sommige bedrijfsleiders en CEO's die hier vandaag aanwezig zijn, één of meermaals mogen we interviewen dit jaar over uw bedrijf, over uw bezorgdheden als ondernemer. Deze gesprekken in het kader van de MBB Business Echo bezorgen ons anekdotische informatie, extra inzichten ook, bij bepaalde trends in de economische data, waarvoor onze oprechte dank. Dans les semaines à venir, nos directeurs parcourront la Belgique. Ils arrêteront dans pas moins de 17 villes afin de toucher le plus de personnes possible. Et nous apprécions bien sûr fortement votre feedback. Geachte publiek, in het komende uur zal onze gouverneur jullie de belangrijkste elementen van het jaarverslag toelichten. Na zijn toelichting is er ruimte voor vragen en interactie. Ik wens jullie een heel boeiende presentatie toe. Gouverneur, à vous la parole. Alors, bonjour à tous d'abord. Goeiedag. Carmen ne l'a pas précisé, mais en 165 ans, nous n'avons pas gardé le même gouverneur. Alors, je vais essayer de trouver de la place pour mes papiers entre l'ordinateur et... Voilà. OK. Opnieuw, welkom. 23. Wat is er in 23 gebeurd? Het is in feite na zoveel crisissen, COVID, de Oekraïnse crisis, maar dan de energiecrisis, een rustiger jaar geweest.
Alors, ça ne veut pas dire que sur le front géopolitique, ça a été une année tout à fait calme. Bien au contraire, il y a évidemment les événements dramatiques en Israël et à Gaza, la poursuite de la guerre en Ukraine. Peut-être d'un point de vue économique, même si moins grave, potentiellement plus important, les attaques des Houthis au niveau du transport maritime. Mais aucun de ces événements géopolitiques n'a en soi créé un choc ou développé un impact important sur l'activité économique à l'échelle mondiale. Donc d'un point de vue économique, c'est une année calme. Warenantal trends, die van belang waren op wereldniveau. Op nieuw sterke consumptie van diensten. Na COVID hebben wij grote bewegingen gezien die wij normaal gezien niet zien in de consumptie van diensten en dan goederen en dan opnieuw diensten. 23 was een jaar een beetje meer voor dienst en minder voor industrie. De industriële activiteit was op wereldniveau zwak in 23. Robuust jobcreatie, zeker in de geavanceerde landen. Futloos wereldhandel. Normalisering van de aanvoerlijnen, dat was al het geval eind 22. Maar nu het was genormaliseerd en dan hebben wij opnieuw de Houthis, maar het is van minder, met een minder groot impact. Ik heb iets gezegd over de geopolitieke spanningen. Maar voor wat ons betreft, centraal bankiers, en sorry, ja, ik ben centraal bankier en gouverneur, wat ook van enorm groot belang was, was de daling van de inflatie in 23 in een context, een omgeving van strak monetair beleid. We hebben de rente met 450% verhoogd in Europa, maar de beweging was min of meer vergelijkbaar in de VS. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en termes de croissance de l'économie mondiale en 2023, une croissance qui était pratiquement en ligne avec celle de 2022, aux environs de 3,5. Juste pour vous donner une idée, c'est un peu moins que la moyenne des 20 dernières années, qui est à 3,8. Mais en fait, la croissance en 2023 à l'échelle mondiale a été un peu plus robuste que prévu, et c'est essentiellement dû à la résilience de l'activité aux États-Unis. Alors en Chine, ils ont finalement dépassé leur objectif de 5%. Il y a un peu des doutes sur le fait de savoir si ça correspond vraiment à la réalité, parce qu'effectivement, on a plutôt eu l'impression que la situation économique en 2023 ne reprenait pas avec le dynamisme attendu. Mais voilà, encore une fois, quand on regarde les chiffres, ça ressemble à une année relativement normale, un tout petit peu en dessous de la tendance des 20 dernières années. Mais évidemment, la très très forte croissance de la Chine qui avait influé sur les chiffres au cours des 20 dernières années, ben, on arrive à des niveaux moins forts. L'Inde arrive derrière, mais avec un poids qui n'est peut-être pas encore suffisant pour fortement influencer les moyennes mondiales. L'inflation, je ne vais pas détailler chacune des courbes, mais vous voyez qu'à des rythmes divers et variés, elle avait augmenté et qu'elle a baissé au cours de l'année 2023. Als ik dan naar de eurozone ga, wat de inflatie betreft, zijn tenminste kwalitatief de resultaten vergelijkbaar. Dus na een heel forse stijging in 22, begin 23, is de inflatie begonnen dalen. En moyenne annuelle, elle reste assez élevée en 2023. À la limite, parfois les chiffres sont, même si on regarde l'inflation sous-jacente, même pas trop différents de l'année 2022. Mais la tendance, évidemment, est complètement inversé. Une des grosses questions qu'on avait, est-ce que l'inflation a augmenté rapidement, plus rapidement que prévu? On avait d'ailleurs été un peu en retard sur la balle. Hein. On avait d'abord cru que ce serait transitoire et qu'on n'avait pas grand-chose à faire. En fait, on avait des modèles qui nous disaient qu'une inflation durable et élevée était pratiquement impossible. Sur quoi je disais à mes collègues, alors partons en vacances. Hein. Si on a, notre mandat, c'est d'éviter une inflation élevée et que ça ne peut plus se produire. La solution la plus simple, c'est de partir en vacances. On n'est pas parti en vacances au cours des deux dernières années, on a eu pas mal de boulot. Si on regarde l'inflation totale, on voit une tendance qui est pratiquement symétrique. Donc elle baisse pratiquement aussi vite qu'elle n'a augmenté. Et en fin de période, on a une stabilisation qui est à un niveau, enfin le début d'une stabilisation à un niveau plus élevé qu'avant le choc énergétique. Et toute la question maintenant, c'est de savoir est-ce que on va poursuivre la tendance à la baisse vers 2%, ou est-ce qu'on va avoir, et certains le disent, un ralentissement de la baisse, hein, le dernier kilomètre ou le dernier mile qui serait plus difficile
et j'y reviendrai plus tard. Alors, si on regarde par contre la croissance économique en Europe, les développements sont différents de ceux que je viens de vous montrer à l'échelle mondiale. On a une année 2023 qui est clairement moins bonne que l'année 2022, 3,4% de croissance en 2022. C'est encore une année de reprise post-Covid en partie. Mais on voit déjà en fin d'année un ralentissement. Et en fait, la croissance de 2023, c'est des effets de niveau en moyenne annuelle, en réalité, sur l'ensemble de l'année. Mais déjà, dès le quatrième trimestre de 2022, on a une stagnation de l'économie européenne, avec même une légère récession en fin de période. Alors, c'est une récession dont les implications sociales sont très limitées, parce qu'en fait, le marché du travail, ou les marchés du travail sont restés robustes. Donc ça n'a rien à voir avec les centaines de milliers d'emplois qu'on a perdus en Europe suite au choc pétrolier, mais ça reste une croissance lente et moins élevée qu'attendue, puisqu'on s'était attendu à une reprise au moins en fin d'année. Alors il y a aussi autre chose qui a changé en 2023 en Europe, c'est l'état d'esprit. Si vous vous souvenez, ça paraît déjà loin, mais fin 2022, on était encore dans cet enthousiasme en matière notamment de politique climatique. On avait un peu le sentiment « sky is the limit ». On votait une mesure après une autre pour traduire notre ambition en matière climatique. Et ne me mécomprenez pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on était très optimiste. Et puis il y a eu l'IRA, il y a eu le ralentissement de l'économie en Europe, des débuts de discussions de difficultés économiques ici et là dans le secteur, de fortes pertes dans le secteur de l'éolien, en fait, en Europe, Gamesa et Siemens. Et l'état d'esprit, le mood, a changé. En er zijn steeds meer discussies over, ja, maar zijn we niet te ambitieus? En zeker discussies over de concurrentiekracht van Europa. En we soms een beetje de indruk dat we inderdaad ons in een moeilijke situatie vinden, stuck in the middle, tussen de VS met de digital champions, die wij in Europa niet hebben, de GAFA's enzovoort, dus niet meer GAFA, maar enfin, jullie begrijpen het, maar ook goedkoop energie. En dan China, die komt zeer agressief, efficiënt en goedkoop met elektrische wagens, zonnepanelen en ook windmolen die goed zijn en goedkoper zijn dan in Europa. Alors nous, l'histoire qu'on avait racontée, c'est on a cette ambition climatique, c'est une immense opportunité qui va générer beaucoup d'investissements et de jobs. Et puis on voit que c'est les Chinois qui arrivent et qui sont meilleurs que nous dans ces secteurs-là. Et donc il y a le début d'un malaise qui est peut-être salutaire, qui est de se dire mais finalement, est-ce qu'on va y arriver? Et donc, une autre manière de le dire, c'est que nos ambitions entrent en contact avec la réalité. Et comme en général les ambitions sont importantes en Europe, c'est un petit peu la culture politique européenne, on a des grands plans avec des grandes ambitions, en général quand on arrive au contact avec la réalité, il y a ici et là des choses qu'on n'avait pas vues, même parfois des choses qu'on n'avait pas voulu voir, qui apparaissent. Et il n'a pas fallu longtemps, les agriculteurs n'ont pas dû manifester longtemps dans la rue pour qu'on revienne déjà en arrière sur certaines mesures en la matière. Je vais y revenir plus tard dans ma présentation. Je ne crois pas que c'est le seul domaine pour lequel on peut déjà identifier des endroits où on va se taper contre un mur et on va probablement devoir rouvrir certaines discussions. But don't take me wrong, ik zeg niet dat wij onze ambitie op zich moeten laten vallen, maar ik denk dat wij wel meer aandacht zullen moeten hebben op wat de impacten zijn. Ik denk dat onze narrative, onze verhaal over de transitie, moet anders, meer candid, als men zegt in het Engels. Maar ik crois aussi qu'on doit mettre les mains dans le cambouis, qu'on doit sortir des grands discours où s'envoie des slogans à la figure, et essayer de comprendre, dans le détail, secteur par secteur, ce qu'implique la transition. Les États-Unis ont fait un choix différent que nous. Ils ont fait un choix pour aller vers des subsides, on a fait un choix pour aller vers un prix du CO2. Je crois que notre choix est meilleur et plus cohérent si on veut aller vers zéro émission. Mais on a un problème. Si l'énergie est très bon marché aux États-Unis et que chez nous, elle va devenir plus chère, on a un problème, on doit se poser des questions sur l'avenir, par exemple, de nos secteurs intensifs en énergie. Et on ne peut pas simplement dire que voilà, c'est notre ambition, que ça va se passer, et être complètement dans le déni des problèmes.
Il y a une quote que j'adore et que je vais partager avec vous en la matière, de John Asler, qui est professeur à Stockholm, je crois, à l'université de Stockholm, mais je ne suis plus sûr laquelle, qui dit ceci, et si vous pouvez retenir quelque chose de cette présentation, retenez ça, certainement si vous vous intéressez à la transition climatique. « If overfishing is the problem, subsidizing chicken is not going to make it. » En d'autres termes, si le problème, c'est qu'on doit se passer d'hydrocarbures, subsidier l'éolien, subsidier les panneaux solaires et les voitures électriques ne suffira pas. Si vous restez avec du gaz à 10 euros comme aux États-Unis, vous n'allez pas vous passer de gaz. Il n'y a pas d'énergie meilleur marché que du gaz à 10 euros. Ça n'existe pas, c'est presque gratuit. Donc voilà, simplement pour un tout petit peu, peut-être pas lancer un débat, mais au moins essayer de traduire à ma manière le début d'une discussion qu'on commence à avoir en Europe, qui a été un peu lancée d'une certaine manière en Belgique par cette phrase d'Alexander De Croo, notre Premier ministre, qui a dit « peut-être qu'il faut à un moment donné faire une pause en matière climatique ». Bon, il s'est fait allumer dans la presse, c'était honteux, on ne pouvait pas dire ça. Quelques mois après, c'est presque banal de le dire, et honnêtement, je crois que la question est maintenant beaucoup plus, est-ce qu'on va pouvoir préserver l'essentiel de notre ambition quand on regarde les sondages, au-delà de la question d'une pause éventuelle. Nu qu'il n'y a pas de cuisine, dus onze energie in Europa is duurder, du tot du tout duurder omwille van wat er gebeurt is in Oekraïne en de oorlog, niet omwille van, of heel weinig, voor een deel maar een kleine deel, omwille van klimaatbeleid. In 23, als we kijken naar de gasprijzen, gemiddelde over het jaar, 6 keer duurder in Europa dan in de VS. Maintenant, je reconnais, en fin d'année, de nouveau, il y a eu des mouvements assez importants, en fin d'année, alors que le prix du gaz avait plutôt évolué aux alentours de 30-50 euros, pendant une grosse partie de l'année, c'était même 50 euros, beaucoup moins que les 300 euros qu'on avait connus en 2022, mais quand même 50 euros, on est maintenant retombé légèrement en dessous de 30 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, avec l'ambition qu'on a et l'ETS, l'industrie va devoir remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène bleu, que je dis bien bleu, le vert viendra plus tard, et probablement par de la capture carbone et ici et là des biofuels. Ça va rajouter 20, 30 ou plus euros au prix du gaz. Donc même si le prix du gaz en Europe retombe à 25, 30 euros, on va devoir, avec les ambitions qu'on s'est données, rajouter 25, 30 euros pour aller vers des sources d'énergie décarbonées. Si vous électrifiez, potentiellement, ça va être un peu près le même genre de différentiel, voire parfois plus cher. Donc on risque de revenir ou de rester durablement à ces écarts par rapport aux États-Unis. Et je crois qu'on ne peut pas se mettre simplement la tête dans le sable et dire voilà, c'est comme ça et on passe à travers. Ça va générer des discussions, ça va générer des tensions politiques et on a intérêt à s'y préparer. Au-delà de ça, une autre question qui se pose, c'est celle de notre capacité en Europe à continuer à imposer nos règles au reste du monde. Il y avait récemment un article dans un journal, je ne sais même plus lequel, j'ai vu ça dans une revue de presse, et je n'ai pas lu l'article, on ne lit plus les articles aujourd'hui, on regarde les titres et on tweet dessus. Hein, ça, vous le savez bien. Mais le titre disait « The US innovates, China emulates, Europe regulates ». Alors c'est une simplification, comme tout titre de journaux, on se compris les titres de journaux des présentations que je fais, qui sont généralement beaucoup, beaucoup moins équilibrés que mes propos, qui sont toujours très, très équilibrés et très, très indépendants. Mais ça, c'est le monde dans lequel on vit. Maar er is een waarheid, denk ik, achter zo'n slogan. Wij zijn geneigd om te denken dat als wij regels vastleggen in Europa, dat de rest van de wereld zal volgen. En voor een deel was het wel het geval in het verleden. Maar onze capaciteit om dat op te leggen naar de rest van de wereld is aan het verminderen. Bijvoorbeeld CBAM, dus een tax voor de invoer van CO2-intensieve goederen in Europa. China klaagt en zegt, allez, dat gaat niet. Nous, on essaye de se développer, on est volontaire pour rentrer dans des relations commerciales plus approfondies avec l'Europe. Mais en fait, vous voulez nous empêcher, ça c'est du protectionnisme caché, parce qu'on ne peut pas avoir la même efficacité énergétique que vous et vous nous taxez. On peut être d'accord ou pas d'accord avec l'argument chinois, mais l'Europe aujourd'hui veut imposer
Et chaque fois pour de très bonnes raisons au niveau moral, hein, mais veut s'occuper du travail forcé au Xinjiang, du travail des enfants dans le reste du monde, du contenu ou de la qualité environnementale de la nourriture qu'on importe, du contenu en CO2 de l'acier qu'on importe. Mais la question, est-ce que le reste du monde va être d'accord de jouer le jeu, ou à un moment donné, simplement, nous, on va commercer avec d'autres? Ce néocolonialisme, comme le diront certains, parce qu'il y a une sensibilité dans beaucoup de pays du monde, on est une ancienne puissance coloniale, cette idée de venir nous dire comment on doit fonctionner, nous, on en a marre, on va faire du commerce avec les Russes et les Chinois, eux ne posent pas de questions. Et je pense que c'est vraiment une question. We lopen het risico dat we gelijk hebben, maar alleen. Alors, l'inflation. Ça, c'est mon sujet de passion. Évidemment, je suis obligé, comme gouverneur, je vais essayer de la faire court, mais en gros, les nouvelles sont bonnes, ça va dans la bonne direction. Dans nos modèles, l'inflation converge vers 2% dans les 2 ans qui viennent. Et en fait, sur base des chiffres d'inflation qu'on a vus au cours des derniers mois, on aurait déjà pu commencer à diminuer les taux, si on regarde simplement l'inflation totale. Ce qui se passe, c'est que, par ailleurs, on continue à observer une dynamique au niveau des salaires en Europe entre 4 et 5% de croissance, et de l'inflation des services en Europe, de nouveau, entre 4 et 5%, qui, elle, n'est pas compatible avec un objectif d'inflation de 2%. Alors, dans nos modèles, tout ça converge, les marges des entreprises baissent, les salaires augmentent, en fait, pour récupérer les pertes des années précédentes, ce qui est, en fait, d'une certaine manière, tout à fait justifiable. Hein, la crise gazière est derrière nous, donc il n'y a pas de raison que les salaires réels soient aujourd'hui moins élevés, alors qu'ils le sont dans certains pays, pas en Belgique, on a l'indexation automatique. Donc, Mais en termes d'inflation, c'est un risque qui subsiste. Alors, on n'aura pas un confort total sur le fait que les salaires retombent à 3% ou moins de croissance dans les mois qui viennent. On a décidé d'attendre un peu, pour avoir des informations sur le début de l'année 2024, et puis on devra un jour, ce que j'ai appelé, prendre un pari, et dire voilà, on doit peut-être un peu plus croire à nouveau à nos modèles, qui ont très mal performé en début de crise, mais qui commencent à mieux performer, et prudemment engager une baisse des taux d'intérêt. Je crois qu'il ne faudra plus attendre, sauf si on devait être confronté à de très mauvaises nouvelles. Alors l'économie belge dans tout ça. Mais l'économie belge, elle a, si on regarde les chiffres macroéconomiques de l'année, très bien performé. Incroyablement bien performé. Alors, je ne suis pas ici en train de faire de la publicité pour les uns et les autres, je vais essayer de vous expliquer qu'en partie, on a bien performé parce qu'on a mangé certaines marges qui ne seront plus disponibles à l'avenir, en matière budgétaire, en matière en partie de concurrence, de compétitivité, en matière en partie de marge des entreprises, mais reste que les chiffres de 2023 sont bons et que ce n'est certainement pas mon intention de le nier. Donc bon, avec une croissance de 1,5%, alors oui, la croissance des pays voisins est bien sur le graphique en 2023. Vous la voyez clairement en 2019, un tout petit peu moins que la Belgique. Vous la voyez en 2020, récession Covid, on est aligné. En 21, on fait un peu mieux. En 22, on fait un peu mieux. Et en 23, on est pratiquement à zéro dans les pays voisins. Alors ça, c'est unique. Pratiquement dans l'histoire historique récente de notre pays. Je travaillais au bureau du plan en début de carrière. En gros, la croissance belge, on prenait la croissance des 3 pays voisins, on faisait une moyenne pondérée, on avait la croissance belge. Et puis, on corrigeait un peu vers le haut ou vers le bas. Donc, 1,5% de croissance en Belgique, alors même qu'on est en récession en Allemagne et qu'on n'a pratiquement pas de croissance dans les pays voisins, on n'a jamais vu ça. Et vous voyez qu'effectivement, la croissance est, by the way, c'était dans les prévisions de la Banque nationale de Belgique. Hein, donc, quand même, chapeau à l'équipe. Ce n'est pas moi qui ai fait les prévisions, mais voilà, on l'avait dit. Croissance de 0,4%, très stable, de pratiquement 0,4% par trimestre. On produit les chiffres aussi, mais les deux équipes ne sont pas censées se parler, alors qu'on était en récession dans les pays voisins sur les 2 derniers trimestres. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre ça un peu en perspective. Il y a des choses qu'on parvient bien à expliquer, et il y a des choses qu'on ne parvient pas bien à expliquer. Je vais essayer d'être assez transparent en la matière. Donc si on revient en arrière depuis la crise Covid et tous les chocs qu'on a subis, forte récession en 2020, ceux qui ont le plus souffert, c'est dans la construction, mais vous voyez que dans l'industrie, dans les services, voilà, il y a toute une partie de l'économie qui ne fonctionne pas.
Et puis on a une très forte reprise, d'abord dans la construction. Bah, c'est tout le temps qu'on a passé chez nous à observer notre salon, notre chambre à coucher, notre grenier dans mon cas, et on se dit, tiens, ce serait sympa de refaire un peu des travaux ici et là. Et les gens ont investi beaucoup en rénovation et en construction. Europe living in the industry, uiteraard, en in de diensten. En dan wat gebeurt er? Stabilisering van de activiteit in de bouwindustrie en de groei in de dienst die blijft zich voordoen. Dan hebben wij de energiecrisis, met in feite bijna geen impact voor wat de diensten betreft, maar een duidelijk impact voor de industrie. En wij zullen het later zien, ook de bouwneverheid, maar dan op niveau van privé-investeringen, veel minder op niveau van overheidsinvesteringen. C'est le cycle électoral en 2023 qui compense dans l'autre sens sur les investissements des pouvoirs locaux. Alors, je vais peut-être passer au slide suivant. Si on regarde plus la situation en 2023, on a une contribution positive de la consommation des ménages, des investissements des entreprises et négatif des exportations nettes. Alors, il y a deux choses qu'on peut facilement expliquer. La très bonne tenue ou la bonne tenue, 1,4% de croissance de la consommation privée, on a une indexation automatique des salaires en Belgique. Ça protège le pouvoir d'achat, mieux que dans les pays voisins. Dans les pays voisins, il a baissé. On a créé beaucoup d'emplois en 2022. On en crée encore en 2023. Donc, le salaire par travailleur et par allocataire social est protégé et on crée de l'emploi. Comme il y a un retard dans l'indexation, en fait, le revenu disponible a baissé en 2022, mais les gens savaient qu'ils allaient être indexés, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Et il augmente fortement cette année-ci, je crois même 5% en termes réels, mais de nouveau, c'est une compensation pour l'année passée. Les gens continuent à consommer. On sait aussi que l'impact de l'indexation automatique, il est positif à court terme sur la consommation, il est négatif sur la compétitivité des entreprises. Ça se déroule en général sur une période plus longue, mais on a déjà en 2023 une contribution négative des exportations nettes. Nos entreprises sont moins compétitives, elles perdent plus que d'habitude en parts de marché, contribution négative. Jusqu'ici, tout va bien dans mon explication. Maintenant, qui a fait des études d'économie ici? Au moins un cours de macro, écopole. Bon. Question d'examen. Les taux d'intérêt augmentent de 450 points de base. Et votre économie subit un choc de compétitivité qui fait que vos entreprises sont moins compétitives. Impact sur l'investissement des entreprises. L'argent coûte plus cher, on est moins compétitif, les entreprises sont moins confiantes en l'avenir, baisse de l'investissement des entreprises. Ça, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe en 2023? Croissance exceptionnelle des investissements des entreprises, plus 6%, et même plus 15% par rapport à la mi-2022. Et c'est ce que je vais montrer sur le graphique privé. Alors, vous devez regarder les pointillés. C'est un peu contre-intuitif, mais la donnée officielle, c'est en très plein. La donnée corrigée, c'est en pointillé. Mais en fait, il y a eu une transaction fin 2024, un truc compliqué, on m'a expliqué, j'ai oublié. Mais si vous voulez vraiment regarder la situation sous-jacente, je me demande si ce n'était pas une transaction sur achat ou vente de bateaux ou que sais-je. Mais la tendance, vous voyez, forte tendance à la hausse des investissements des entreprises. Vous voyez la baisse sur l'investissement privé dans le logement. Là, de nouveau, là, c'est conforme à la bonne réponse que vous m'auriez donnée à l'examen. Verhoging van de rente, ook verhoging feit van de bouwkosten en de investeringen dalen. Te voorzien in lijn met de verwachtingen. Maar niet voor de bedrijfsinvesteringen. Hoe komt dat? We hebben geen eenzijdig duidelijke verklaring daarvoor. Maar we peilen naar de ondernemers en wat ze ons vertellen is de volgende verhaal. We vinden de mensen niet meer, dus we moeten investeren in automatisering. Dus het gaat niet over expansie, des investissements d'expansie. Het gaat over mensen die wij niet vinden vervangen door machine, door digitalisering, automatisering. Dat is één aspect. Twee, inderdaad, hoge energiekosten, klimaatuitdaging, investeringen in energiebesparende maatregelen en of groene energie. Zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke. Alors, à ça, on doit rajouter que
les entreprises avaient une rentabilité très élevée avant le choc Covid et pétrolier, mais même après le choc Covid, c'est resté le cas, historiquement élevée, qu'elles avaient constitué des réserves de liquidités importantes, bon marché, et en fait, elles ont relativement peu subi la hausse des taux d'intérêt, parce qu'elles avaient un excédent de liquidités, une forte rentabilité, et donc elles ont été capables de financer une grosse partie de leur investissement sur fonds propres ou sur crédit qui avait déjà été acquis à taux bas. Et donc quand on regarde au niveau micro, et on a des données assez détaillées, on voit que la position financière des entreprises s'est très peu dégradée en 2023, alors même qu'elles sont confrontées à une forte hausse des taux. Création d'emplois. Alors, c'est plus aussi bien qu'en 2021-22, mais là, c'était vraiment extraordinaire. Pratiquement, et plus de 100 000 emplois en 21-22, c'était du pratiquement jamais vu. Cette année-ci, 42 000 emplois, 0,8% de croissance, ça correspond à une augmentation du taux d'emploi. Ça reste un résultat tout à fait louable. Maar, qua samenstelling, inderdaad, met een forse stijging in de... overheid sector of meer algemeen non marchand, met meer dan de helft van de jobcreatie. Bon, ça conduit un petit peu au lien avec la question budgétaire sur laquelle je vais arriver bientôt. Voilà, est-ce que c'est tenable d'avoir plus de la moitié de la création d'emplois dans le secteur non marchand? Si c'est une année, c'est pas grave, mais sur longue tendance, ce n'est sans doute pas payable. Taux de chômage reste historiquement bas pour la Belgique, 5,6%. La Flandre est plus ou moins au plein emploi, 3,5%. Bruxelles est à 10%, la Wallonie à 8,3%. Donc on continue à avoir en la matière des différences régionales très importantes. L'écart de croissance entre le nord du pays et le sud du pays continue à se maintenir. Donc il n'y a pas de convergence en Belgique. Et c'est un problème pour, j'ai presque envie de dire, l'avenir du pays, au sens où il faudra à un moment donné s'assurer qu'on reconverge dans le sud du pays vers la Flandre. Je crois que ces tendances, on ne peut plus les extrapoler sur 20 ans, ça va devenir intenable. L'inflation en Belgique, je vais aller très rapidement, même tendance qu'au niveau européen, mais ça se passe plus rapidement, ça a monté plus vite. Transmission très rapide des prix de l'énergie dans l'inflation, dans l'indexation des salaires et donc vers le reste de l'économie. Avec fin 2022, les prix du gaz qui crachent, hein, qui passent d'un niveau historiquement très très élevé à peut-être 50 euros. Et on voit effectivement baisse des prix d'énergie de 30% en moyenne sur l'année 2023, avec même 2 mois d'inflation négative à 1 an d'écart. L'inflation va réaugmenter un peu en 2024, c'est lié à des facteurs techniques sur lesquels je ne vais pas revenir. Concurrentie cracht. Opnieuw, automatisch indexering van de lonen in België, stijging met 12% in 2 jaar, dat is veel. Veel meer dan in de buurlanden, waar er geen automatische indexering is. En dus verslechtering van de concurrentiekracht van de bedrijven. Met een negatief impact op netto-uitvoer. Maintenant, si on revient un petit peu à ce qui s'est passé au courant de l'année 2022, à un moment donné, sur base de chiffres du bureau du plan de la Commission européenne, nous n'avions pas réactualisé nos prévisions. On avait un écart en prévision de 8% sur 2 ans. Ce qui m'a amené à dire, on va devoir revoir les modalités de l'indexation des salaires, on va dans un mur. Mon timing était très mauvais. 3 semaines après, les prix du gaz se sont écroulés et on a commencé à voir le mouvement inversement. Donc ce n'est pas 8%, c'est 4%. Als we kijken naar de prognose van onze buurlanden wat de lonen betreft en onze eigen prognose voor België, zijn wij van mening, maar bon, het blijft maar een prognose, dat binnen 2 jaar, als er geen verhoging van de reële verloning in België, conform de wet, dat wij onze handicap kunnen naar bijna nul brengen. Er is een beetje onzekerheid. Als we kijken naar de officiële cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dan hadden wij in feite een negatief kloof voor de energieshock. Een handicap die naar 3% gegaan is in 2022, denk ik, en dan
1,8% sorry, in 23 en dan 1,8% in 24. Donc là, on est même avec un écart un peu moindre. Maintenant, la référence de 96, elle est dans la loi. Jusqu'à quel point elle reste complètement pertinente, c'est une question peut-être plus philosophique. Je l'ai dit, les marges des entreprises, qui étaient très élevées, hein, historiquement élevées, ont baissé en 2023, du sien que val van greedflation, elles ont baissé. Ce n'est pas nécessairement le cas dans le reste de l'Europe, où les salaires réels ont baissé. Et donc, ça a contribué au fait, à un moment donné, d'éviter une spirale prix-salaire. Il y a eu, effectivement, des effets de second tour, mais pas une spirale prix-salaire dont on aurait complètement perdu le contrôle. Donc, quelle est ma conclusion en la matière ? Mais ma conclusion en la matière, c'est qu'on a eu de la chance. Alors, avoir de la chance, ce n'est pas interdit. C'est parfois bienvenu, c'est souvent bienvenu, mais il faut le savoir. Si les marges des entreprises n'avaient pas été historiquement élevées au moment où on a eu le choc énergétique, et si les prix du gaz ne s'étaient pas écroulés fin 2022, s'ils étaient restés élevés pendant 6 mois de plus ou 1 an de plus, on allait dans le mur avec l'indexation automatique des salaires. Alors ça ne s'est pas produit, tant mieux. Des chocs comme ça, on en a une fois tous les 40 ans. Je referme le sujet, mais je crois que c'est important de le savoir. Une série de circonstances et une combinaison de circonstances ont fait que dans ce cas-ci, l'indexation automatique des salaires ne nous a pas été trop défavorable et même peut-être marginalement favorable sur la période, si on pense que l'écart de compétitivité va se résorber dans les mois et années qui viennent. Les finances publiques. Alors les finances publiques, j'aimerais ne pas devoir en parler, ou j'aimerais pouvoir en parler d'une manière différente. La réalité, c'est que c'est presque une tradition de dire, chaque fois que je présente les prévisions de la banque, 2 fois par an, et le rapport de la banque, le déficit reste trop élevé. Nous sommes l'un des moins bons élèves de la classe en Europe, le 2e plus mauvais. Ce n'est pas tenable à terme, et si nous ne faisons rien, nous allons dans un mur. Alors, à force de le répéter, on pourrait dire, mais il le répète chaque année, finalement, il ne se passe rien, donc ce n'est pas grave. Alors, on peut évidemment essayer d'illustrer avec les cas extrêmes, et je ne dis pas qu'on va vers ça, et certainement pas dans les 2 années qui viennent, mais ne rien faire en matière de finances publiques, laisser les choses aller sans aucune discipline, quand un choc arrive, on risque à un moment donné de se retrouver dans une situation difficile. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé en Espagne il y a 10 années, et alors le coût social des mesures qu'on doit prendre est énorme. Donc il est simplement de bonne politique. On a parfois envie de dire de bon père de famille, mais on ne dit plus ça. Simplement de reconstituer des réserves pour pouvoir faire face dans de bonnes conditions au prochain choc. On a dépensé énormément d'argent public pendant la crise Covid et pendant la crise énergétique. C'était nécessaire pour éviter un effondrement de l'économie. Cet argent, on ne l'a plus pour faire face à une crise importante si elle devait arriver. Wanneer comme dit, ou groot is die, ik heb geen flow idee. Maar ik weet dat het zal op een zeker moment komen. Donc je plaide pour, et je ne suis pas le seul évidemment, et puis il y a les règles européennes, pour reconstituer des marges et des réserves. Regardez l'évolution des dépenses courantes, donc ici sans investissement, augmentation année après année en pourcentage du PIB. Vous ne pouvez pas réextrapoler ça pour les 20 prochaines années, on n'est plus dans une économie de marché à ce moment-là. Donc on va devoir changer la tendance en matière de finances publiques et probablement aussi de dépenses publiques. Au final, ça reste un choix politique, mais on ne peut pas avoir année après année des dépenses publiques qui augmentent plus vite que le PIB. À un moment donné, on va avoir une part de la dépense publique dans le PIB qui est intournable et incompatible avec une économie de marché. Alors je voudrais un tout petit peu faire une pause ici et peut-être être un tout petit peu plus philosophique. Je crois qu'au-delà du risque, quand le prochain choc arrive, lié au fait que nos finances publiques ne sont pas en ordre, qu'on ne respecte pas les règles européennes, qu'on va vraisemblablement se retrouver en procédure de déficit excessif, cela reflète aussi, et c'est peut-être même encore plus important, une incapacité en fait à se fixer des priorités. Donc c'est aussi le symptôme d'un problème plus profond. En ik weet dat het moeilijk is, het is gemakkelijk om dat te zeggen, we hebben te maken met een versnippering van onze politieke landschap, en het is steeds meer het geval in andere landen, maar we zijn niet meer in staat om prioriteiten vast te leggen. Het is een beetje van alles. En een beetje van alles met een lage groei kunnen wij niet meer betalen.
Et on voit, hein, quand on a une crise, on revient encore à mettre autour de la table une dizaine de personnes, ou cinq ou six, qui ont une tête bien faite, et de voir ce qu'on peut faire. Et on a assez bien géré les crises des dernières années, mais qu'on doit se projeter dans l'avenir, adresser le vieillissement de la population, les pensions, le climat, on n'y arrive plus. Et je voudrais donner deux petites anecdotes supplémentaires pour montrer que déjà aujourd'hui, ça a des impacts. On a eu ces inondations terribles en Wallonie avec des morts, un coût social élevé. Il y avait une loi qui prévoyait, une loi hein, votée par le Parlement, qui prévoyait qu'en l'occurrence, la première tranche de dégâts était à charge des assureurs et la deuxième tranche à charge des régions. Le choc arrive et la région Wallonne dit « Ah, sorry, je ne sais pas payer ». Mais il y a une loi qui dit que c'est à charge des régions. Oui, oui, mais moi, je n'ai pas l'argent. Et donc, voilà, on demande aux assureurs de payer plus que ce qui est prévu par la loi. Je peux vous dire que quand vous parlez à des assureurs étrangers qui comprennent moins la politique belge que les assureurs belges, ils vous regardent et vous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un pays ?» Nous, en Belgique, on commence à être un peu habitués à ça. « Oui, il y a une loi, on ne la respecte pas, ce n'est pas très grave. » Mais ce n'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Il y a une guerre en Europe, on est en guerre. J'ai eu l'occasion d'accueillir des réfugiés ukrainiens à la maison. On est membre de l'OTAN, on est très international en Belgique, hein, on est très européen, on n'arrête pas de répéter ça. À part le Luxembourg, mais mes attentes en matière militaire, en ce qui concerne le Luxembourg, n'ont jamais été très très élevées. C'est probablement le seul pays au monde que l'on peut envahir sans trop de dégâts. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais... On a les dépenses militaires les plus faibles d'Europe. Et on promet qu'on va le faire, mais en fait on sait qu'on ne va pas le faire. On ne tient pas notre place dans le concert des nations. On ne tient pas notre place en Europe en la matière. On fait du free-riding. Donc ce n'est pas anecdotique. En dus wat ik hier wil zeggen, het is niet alleen een kwestie van de regels na te leven, buffers, reserve opnieuw opbouwen. Het is ook een teken van een probleem die dieper is dan gewoon naar cijfers kijken. Oké. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? La dette augmente, les charges d'intérêt augmentent, et à un moment donné, on se tape contre un mur. Alors, incidence sur le secteur bancaire, ils allaient kort houden quand on a décidé de la politique de forward guidance en 21 au niveau du Conseil des gouverneurs. Je m'y suis opposé avec deux autres gouverneurs. J'ai dit, cette idée, cet engagement qu'on prend du low for long, de maintenir les taux, c'était avant l'inflation, de maintenir les taux bas pendant longtemps pour que l'inflation remonte, elle était trop basse. J'ai un problème avec ça, parce que si ça ne marche pas, et ça fait 5 ans qu'on essaye et ça ne marche pas, à un moment donné, on va aller vers un mur, on va avoir de l'inflation ou une crise financière. Alors, je peux revenir là-dessus si vous voulez dans les questions-réponses, mais voilà, c'était ma crainte, de l'inflation ou une crise financière. On a eu l'inflation, et aux États-Unis, on a frôlé la crise financière. Heureusement, en Europe, il y a le cas Crédit Suisse en Suisse aussi, hein, trois banques qui ont fait faillite aux États-Unis. Bon, les autorités américaines ont réagi rapidement, elles ont endigué ce qui aurait pu être le début d'une crise financière. En in Europa, na de financiële crisis van 2008, hebben wij jaar op jaar de banken en de verzekeraars onder druk gezet om hun liquiditeitsbuffer en kapitaalsbuffer te verhogen. Besluit, het werkt. Zonder dat hadden wij vrees ik grote problemen. Allee, een verhoging van de rente van 450 basispunten, dat is een grote shock voor de balans van een bank. Maar op het einde van de rit hebben wij dat kunnen meemaken zonder te veel schade. Et effectivement, la rentabilité des banques en moyenne est très élevée en Europe cette année-ci. Je vais revenir tout à l'heure très rapidement sur la saga des dépôts. Je pense aussi qu'on a atteint un pic, que ça va commencer à baisser. Alors, quel est l'impact du resserrement de la politique monétaire? Je l'ai déjà en fait un tout petit peu mentionné. Dans le secteur immobilier, ça a eu un impact. En fait, l'accès au logement s'est détérioré, clairement. Les crédits hypothécaires sont devenus plus chers. Et on voit une forte baisse des transactions immobilières, moins 18%. Des nouveaux crédits hypothécaires, moins 28%. J'ai annoncé l'année passée que,
à un moment donné, une partie de l'ajustement allait devoir venir du prix des maisons, du prix des logements. Wir sehen das noch nicht, als wir kijken naar de nominale prijzen, maar als we corrigeren voor inflatie, zijn ze inderdaad gedaald met 6,4% in 23. Ah oui, si la capacité des gens à s'offrir un logement est moindre, à un moment donné, la demande baisse et le prix baisse. Ceux qui ont fait des cours d'économie ici doivent être rassurés. Quand la demande baisse et que l'offre est relativement stable, les prix baissent, on est en train de commencer à le voir. Ouf, vous n'avez pas étudié ça pour rien. La saga des dépôts, rapidement, les banques ont réagi tard, elles le reconnaissent maintenant. Elles avaient une pression sur leur marge d'intérêt depuis plusieurs années parce que les taux étaient négatifs et donc leurs dépôts leur coûtaient plus cher que ce que ça leur rapportait. Les taux augmentent, elles se disent « bingo, on va pouvoir y aller ». Nos clients en Belgique sont... Il y a beaucoup de clients dormeurs et donc on va pouvoir augmenter les taux sur les prêts et moins rapidement sur les dépôts. Et le problème, c'est que, voilà, il y a eu un débat autour de ça. Les gens qui n'y prêtaient pas beaucoup attention, tout d'un coup, ont eu l'impression qu'on les traitait mal. Et le gouvernement est intervenu en mettant les banques sous pression avec les bons d'État. Et il y a 20 milliards qui sont partis, qui sont sortis du système. Au final, ce qu'on voit, c'est que les gens qui voulaient du rendement, qui ont été voir leur banquier, ils ont eu accès à des comptes à terme, où là, les taux ont augmenté très rapidement et fortement, pratiquement en ligne avec l'augmentation des taux de marché. Et oui, donc, les banques ont discriminé. Ben, le mass market, c'est ça. Il y a... dans la salle, quelqu'un du secteur de l'énergie, j'ai aussi été moi dans le secteur de l'énergie, mais c'est la même chose dans la téléphonie, on fait des offres pour acquérir un client, et puis après, tout doucement, on augmente un peu les prix, et il y a ceux qui regardent et qui changent de fournisseur, il y a ceux qui ne regardent pas, les banques le font, les compagnies de téléphone le font, les énergéticiens le font. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne dans le mass market, c'est comme ça qu'on fait des marges. Je suis un tout petit peu cynique, mais ceux pour qui c'était vraiment important ont trouvé des solutions auprès de leurs banquiers. Et l'État a aussi mis la pression sur les banques pour leur dire mais vous allez devoir faire un effort. Qu'il faille là derrière travailler sur la transparence et s'assurer que ce n'est pas toujours les petits qu'on... oui, vraisemblablement. Et donc, simplifier le paysage en la matière pour que les gens, en toute transparence, puissent faire leur choix, c'est certainement un agenda qui mérite d'être poursuivi. Alors j'en viens aux questions plus structurelles, et chaque année c'est les mêmes, et donc chaque année on essaie de donner un accent un petit peu différent, ici et là, de manière un tout petit peu impressionniste. Bon, il y a évidemment l'enjeu budgétaire, c'est probablement en Belgique l'enjeu qui nous est le plus propre et qui est peut-être politiquement le plus complexe, parce qu'il touche à tout. Je voudrais simplement mettre un élément en perspective ici, sur ce slide. Tout le monde dit « oui, mais il y a la transition climatique ». Donc comment voulez-vous qu'on épargne et qu'on réduise le déficit alors qu'on doit trouver des milliards pour la transition climatique? Si vous trouvez 100 milliards sous votre chaise, dites-le-moi. D'abord, ce n'est pas trouver 100 milliards, c'est créer les conditions pour que les investissements se fassent. En fait, on a un excès d'épargne en Europe. Les taux d'intérêt, pour ceux qui s'y connaissent, le fameux R-Star, le taux d'intérêt d'équilibre qui était bas, qui était même négatif à un moment donné, ou proche de zéro, ça veut dire qu'on a plus d'épargne que d'investissement. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc de l'argent, il y en a. Le problème, c'est de créer les conditions pour que cet investissement ait lieu, et dans certains cas, ça veut dire augmenter les prix. Et alors, les gens n'aiment pas. Mais ça, c'est un autre problème que de trouver de l'argent. Mais simplement, il y a des estimations, elles valent que c'est ce qu'elles valent, du FMI et de l'OCDE, pour voir, de tous ces investissements et ces dépenses qu'on doit faire dans le domaine climatique, lesquelles ressortent directement de l'État. 0,5% du PIB. Alors, ce sera probablement un peu plus, parce qu'on va vouloir aider les gens ici et là, ou les entreprises ici et là. Mais le coût du vieillissement qui n'intéresse personne, quel jeune a envie de parler au café du coût du vieillissement et des pensions? C'est quand même mieux de parler du climat. Mais en fait, pour les finances publiques, c'est un beaucoup plus gros enjeu. Estimation, on a des estimations assez robustes qu'on met à jour chaque année, c'est le bureau du plan qui les fait en Belgique, 4% du PIB. Donc simplement vous dire, l'enjeu budgétaire, c'est beaucoup plus le vieillissement que le climat, et alors on a aussi la défense et le reste. Mais je crois que c'était utile de mettre les choses un tout petit peu en perspective à ce stade-ci. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit
assainir nos finances publiques et en même temps augmenter notre potentiel de croissance. Alors, augmenter notre potentiel de croissance, pour certains c'est évident, pour d'autres moins. On parle de décroissance dans le débat. On dit qu'on devrait en fait changer la manière dont on vit. Mais pas de croissance, c'est pas de croissance des salaires. C'est de grosses difficultés à faire face à nos engagements en matière de pension. À politique inchangée en Belgique, le déficit augmente de 2,5 milliards par an, 0,4%. Ça, c'est des promesses qu'on a faites. Et sans rien faire, en fait, on voit que le déficit augmente. Alors, arriver à respecter ces engagements dans le cadre d'une économie qui ne croît pas et où les gens vont vouloir des augmentations de salaire, on ne va pas y arriver. Alors, on doit aller vers une croissance qui est verte, et de plus en plus verte, oui, mais je reste d'avis, avec mes collègues du comité, que essayer d'augmenter le potentiel de croissance de notre économie reste important. Beaucoup de gens, quand ils imaginent une société sans croissance, imaginent une image d'Épinal, c'est presque le film Avatar, on vit dans la nature, on a accès aux soins de santé, tout le monde il est gentil, on ne doit pas prendre la voignole, il n'y a pas d'avion. Regardez dans l'histoire les sociétés qui ont connu une croissance nulle, voire négative, l'Italie sur les 20-25 dernières années, est-ce que ça marche beaucoup mieux que chez nous, je ne sais pas, le Moyen-Âge, il n'y avait pas de croissance. Une série de pays en voie de... Regardez l'Argentine, qui stagne depuis 40 ans. Moi, ça ne me fait pas envie. Donc, il y a évidemment un monde sans croissance qu'on peut rêver, et puis il y a les mondes sans croissance qu'on a pu observer dans notre histoire. Ils ne se ressemblent pas beaucoup. Augmenter le potentiel de croissance, c'est deux choses. C'est la productivité par travailleur, qui stagne depuis un certain temps, qui augmente moins, mais c'est aussi le fait qu'on a créé beaucoup d'emplois ces dernières années. Or, on va vers une démographie qui semble moins favorable. La population en âge de travailler a encore augmenté au cours des dernières années. We gaan naar een stagnatie in de drie, vier komende jaren en dan naar een daling van de populatie, de bevolking op beroepsleeftijd. Dus in de twee richtingen gaat het naar beneden en dus de 1,25% potentiële groei die wij vandaag berekenen is ver van duidelijk. Pour l'illustrer, croissance de la productivité, on était à 4% dans les années 70, 2% dans les années 80, un peu moins dans les années 90, 1% ou en dessous dans les années 2000, et sur les deux dernières années, on est encore en dessous. Si on reste à ce niveau-là, compte tenu de l'enjeu démographique, on n'a pratiquement plus de croissance dans nos pays, et ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On travaille sur différents fronts. Il y a de plus en plus une prise de conscience que dans des sociétés riches et parfois un peu vieillissantes, on a tendance à surréglementer tout. Alors, c'est difficile d'obtenir des permis, c'est difficile de construire quoi que ce soit. On a le cas Ineos à Anvers. J'ai un permis, j'ai pas de permis, j'ai un permis, j'ai pas de permis. Le fait qu'on ne sache pas se décider et créer une sécurité juridique autour de ce genre d'investissement, ben vous avez le patron d'Ineos qui dit, vous savez, des projets comme ça, moi j'en fais, c'est un ethane cracker à Anvers, 4 milliards d'investissements, j'en fais 5 au Texas, ça marche très bien, j'essaie d'en faire un en Europe, j'y arrive pas, moi je ne vais plus investir en Europe. Ah, peut-être que c'est notre choix, hein. Peut-être qu'on a décidé que ce genre d'investissement ne se ferait plus, on me dit que c'est l'équivalent de l'émission d'azote de 10 vaches. Okay. À la Banque nationale de Belgique, on ne produit rien, on travaille avec des ordinateurs et des données, mais les gens me disent, les chefs de département, si on suit l'avis du service juridique, ceux qui travaillent en informatique, ceux qui travaillent sur des données, on ne peut rien faire. GDPR, la loi statistique, CLOT, Schrems, etc. Ça devient très difficile de faire quelque chose dans cet environnement régulatoire. Et c'est compliqué parce qu'on rajoute des couches chaque année. La mobilité du travail en Belgique est sous-optimale. On le sait, on a des différences de taux d'emploi et de taux de chômage dans les régions qui sont très importantes. Notre dynamique d'entreprise est moyenne en Europe sur base d'une série d'indicateurs typiquement réunis par l'OCDE, où on est bon sur papier, c'est en innovation. Là, on se rapproche du top. Maintenant, on a regardé plus en détail au niveau des entreprises en Belgique. C'est concentré sur un nombre réduit d'entreprises, très souvent des entreprises multinationales, dont certaines nous disent, vous savez, on a fait le plein en Belgique, on n'est plus sûr qu'on va fort se développer en Belgique. Et il y a peu de diffusion vers le reste de notre économie.
Donc on est bon en innovation, mais on est mauvais en productivité. En partie parce que les niveaux étaient déjà fort élevés, etc. Mais c'est une histoire un peu compliquée. Alors, la qualité de l'enseignement, je passe assez vite, mais elle s'est fort dégradée dans la plupart des pays suite à Covid. Il y a eu du décrochage scolaire, donc ça, en soi, ça laisse des traces. Mais l'avantage qu'on avait singulièrement au nord du pays, où les scores étaient assez bons, on est en train de le perdre. L'autre chose, c'est qu'en matière d'orientation, il y a très peu de gens qui s'orientent vers des filières techniques, d'ingénierat, d'autres. Alors, j'ai deux enfants, deux garçons, 27 et 25 ans. La moitié travaille dans le secteur du climat, 1 sur 2. Quand je regarde leurs amis, la moitié veut travailler dans le secteur du climat. Mais pour eux, le secteur du climat, c'est des ASBL pour conscientiser les gens, c'est des communautés d'énergie, c'est des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est sans importance, changer les comportements va faire partie de l'histoire, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire et probablement une petite partie de l'histoire. La grosse partie de l'histoire, c'est électrifier notre industrie, électrifier le chauffage, électrifier, et ce n'est pas que électrifier, mais c'est 70% d'électrification, et pour ça on a besoin de quoi? On a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs. Et je ne vois pas, c'est les chiffres, énormément de jeunes qui sont enthousiastes en la matière. Et là, donc, on a un décalage très fort entre ce dont on a besoin pour réaliser cette transition climatique, les profils dont on a besoin, et ce que les directions prises par les jeunes en matière d'études. Le taux d'emploi de 80%, l'objectif, on va dans la bonne direction, mais c'est lent, les différences régionales restent très importantes. Il y a toute une série de choses à faire. Un aspect qui reste, c'est qu'effectivement, les incitants financiers à retrouver un travail en Belgique sont faibles. J'ai évoqué tout à l'heure les réfugiés ukrainiens ou ukrainiennes. Ça, c'est en économie, on a très peu de vraies expériences. On ne peut pas expérimenter comme en physique ou comme dans d'autres domaines. Mais parfois, il y a une expérience historique, il y a quelque chose qui arrive, qui ressemble à une expérience, comme si on disait, tiens, on va essayer quelque chose et voir ce qui se passe. Et ce essayer quelque chose, c'est malheureusement triste, mais c'est d'envoyer des millions de réfugiés dans différents Ukrainiens avec plus ou moins les mêmes caractéristiques démographiques dans différents pays d'Europe et voir ce qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux Pays-Bas, après 2 ans, 80% ont un travail. En Belgique, on est beaucoup plus bas, avec encore de nouveau de grosses différences régionales. On a fait un choix dans nos sociétés, en Belgique, d'une tolérance pour un taux d'activité faible et parfois un taux de chômage élevé. Quand c'est à ce point récurrent et qu'on se distingue à ce point d'autres, ça devient un choix. L'idée que c'est simplement la faute à pas de chance n'est plus défendable. Donc, ik denk dat in dat verband dat wij geen excuus meer hebben. Ofwel zeggen wij, het is een maatschappelijke keuze. Wij vinden het minder belangrijk dat veel mensen werken en we vinden dat in feite goed, oké. Of wij akkoord gaan noord en zuid van het land, is misschien een andere vraag, misschien zelfs een pertinente vraag. Ofwel zeggen wij nee, we hebben ambitie, 80%, het is trouwens een officiële ambitie, maar dan moeten wij meer doen, meer hervormen. Et le fait que les entreprises pleurent pour trouver des travailleurs, et souvent même avec des qualifications relativement limitées, est une bonne indication, je crois, qu'on peut faire mieux. On n'a plus d'excuses. Vous savez, quand on a 20% de chômage, et que, c'était ma génération, et qu'un boulot à la Banque nationale, c'était un concours au ESL avec 300 candidats pour 3 places, si on est dur au niveau des règles, il y a des gens qui passent au travers des mailles du filet et qui risquent de se retrouver dans des positions difficiles. Mais quand les entreprises pleurent pour avoir des travailleurs, même avec des qualifications relativement réduites, je pense qu'on peut se permettre de faire des réformes qui vont dans la bonne direction et qui auront moins d'impact négatif qu'elles auraient pu en avoir précédemment. Alors j'essaie maintenant, c'est une tradition depuis un certain temps, d'avoir chaque fois un chapitre sur l'enjeu climatique dans le rapport national. On investit au niveau de la banque. On peut discuter si c'est core business ou pas core business, mais en tout cas, essayer de comprendre l'implication de la transition me semble important. Et je ne le fais pas souvent, mais c'est un sujet sur lequel je suis un peu fier, parce que j'ai été invité au mois de juin de l'année 2023 à prononcer le keynote speech d'un gros séminaire de 2 jours en économie du climat au Peterson Institute, qui est quand même un des think tanks les plus importants à Washington. J'étais invité pour faire un keynote speech en économie du climat devant des gens de l'administration Biden et des académiques
européens et américains. Et donc simplement pour illustrer le fait que c'est un domaine dans lequel la banque travaille. Mon plaidoyer en la matière, c'est de dire, encore une fois, il faut maintenant se salir les mains. On a un objectif, on veut aller à net zéro en 2050, nu gaat het over de manier waarop we dat doen, en dat vergt een goede begrip van de kost van de verschillende opties en gewoon ons slogan te gooien werkt niet meer. We moeten naar de detail en de vraag hoe doen we dat in de werkelijkheid behandelen. Alors, premier message en la matière, qui est le plus simple, le plus important et peut-être quelque part le plus difficile. On voit quand on regarde les sondages que, hein, je le disais tout à l'heure, l'enthousiasme est ici et là en train de disparaître. Or, il faut accélérer le mouvement. Si on regarde les tendances, et je ne vais pas ici m'apesantir sur les différences entre les secteurs ETS et pas ETS, mais si on regarde les tendances, la direction est bonne, mais le rythme est insuffisant. Donc en fait, on doit accélérer le mouvement. Mais on doit l'accélérer, je crois, en étant plus attentif à la manière. La bonne nouvelle, it's becoming real. Bad news, a lot of people don't like it. Don't underestimate the support. Il y a beaucoup de gens qui sont très motivés sur la question climatique, mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est très important, mais dès qu'on va leur demander de payer un peu, ils vont dire non, je ne suis pas à bord. Et donc, réussir la transition climatique, de plus en plus, ça va être s'assurer qu'on le fait au moindre coût, avec le moindre impact négatif possible sur les gens. Or, on a un problème d'histoire en la matière. Si je caricature un peu, ça m'arrive, mais alors je le dis, je caricature un peu. L'histoire qu'on raconte sur le climat en Europe, c'est la suivante. On doit trouver des centaines de milliards. Trouver. Des centaines de milliards. Les risques en matière de stabilité financière sont très élevés, message de la Banque Centrale Européenne, parfois sur base d'hypothèses techniques qui sont un tout petit peu forcées, soit. Et en même temps, c'est une immense opportunité qui va générer énormément d'investissements, créer des jobs et ne pas avoir d'impact négatif sur l'économie. I beg to differ. Je suis un économiste. Si on vous dit, on a un système et demain, on va devoir faire sans gaz, sans pétrole, sans charbon, moi, je dis, ça va coûter quelque chose. Si c'était une bonne nouvelle et que finalement, c'est une immense opportunité, je propose qu'on commence sans gaz, sans charbon, sans pétrole. L'année d'après, on fait sans bois. L'année d'après, sans pierre. L'année d'après, sans métal. Et chaque fois, c'est une super opportunité. Et c'est ce qu'on appelle en économie un choc d'offre. Un choc d'offre négatif, qui est assez comparable, mais pas tout à fait identique, à un choc pétrolier. Et en fait, il y a une convergence dans les littératures pour dire que le coût de la transition, il va être relativement comparable au coût des chocs pétroliers des années 70-80, mais pas étalé sur quelques semaines ou deux ans, mais étalé sur 25 ans. Donc c'est faisable. Si on regarde le coût macroéconomique, 3% sur 25 ans, ça fait 10 points de base de croissance par an. Hein, on a eu 1,5% de croissance cette année-ci, eh bien, ça veut dire que le 1,5% devient 1,4%. Ça, ce n'est pas de la décroissance, c'est plus que faisable. Mais il y a l'enjeu international. C'est que si aux États-Unis, on le fait avec des subsides et chez nous, avec des taxes, pour faire simple, sur le CO2, on crée une tension dans les secteurs intensifs en énergie qui va être difficile à gérer. Et honnêtement, je n'ai pas de réponse facile à cette question. Donc, on va devoir accélérer le mouvement, mais on va devoir le faire d'une manière qui est intelligente et qui conserve ou maintient ou crée le soutien de la population. La bonne nouvelle, c'est que le progrès technique est rapide et va dans la bonne direction. Quand j'étais à Electrabel il y a quelques années, un peu plus que quelques années, le coût de production de l'électricité par panneau solaire, c'était 1 000 euros du mégawattheure. L'éolien était à 300 ou 500 onshore, offshore. On a maintenant des projections, vous avez l'évolution au cours des dernières années à gauche, mais on a maintenant des projections d'ici à 2050. Alors 2050, c'est loin, ça vaut ce que ça vaut, mais qui vous disent, on va pouvoir produire de l'énergie solaire ou éolienne pour moins de 50 euros du mégawattheure. Attention, ce n'est pas un coût complet. C'est un coût de production par mégawattheure, mais c'est de l'énergie intermittente. Donc il y a des moments où on va produire alors qu'on n'en aura pas besoin, il y a des moments où on en aura besoin et on ne va pas produire. Mais on commence à avoir des gens qui rêvent, est-ce qu'ils ont raison ou pas, qui disent dans les locations où il y a par exemple beaucoup de soleil,
on devrait pouvoir avoir une combinaison panneau solaire industriel, hein, pas sur votre toit, dans le désert en Espagne, des panneaux solaires en quantité industrielle, combinés à des batteries pour faire le jour-nuit, pour à peu près 50 euros du mégawattheure. Alors 50 euros du mégawattheure, ça reste plus cher que du gaz à 20 ou du gaz à 10. Mais si vous savez qu'une pompe à chaleur est 3,5 fois plus efficace qu'une chaudière au gaz ou qu'un véhicule électrique est 3,5 fois plus efficace qu'un moteur thermique, dans ces deux secteurs, en fait, vous arrivez au final une énergie moins chère. Alors ce ne sera pas 50 euros hein, parce qu'on va devoir ajouter d'autres formes d'énergie, etc. Mais encore une fois, si on regarde ça, ça va dans la bonne direction et ça a l'air relativement faisable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout de suite. Parfois, attendre vaut la peine. Si une technologie n'est pas mature, est encore très chère. Les voitures électriques restent aujourd'hui beaucoup plus chères. Certains nous disent, CEO en Belgique qui produisent des voitures électriques, dans 10 ans, ce sera au même prix que les voitures thermiques. Ben, pour les gens qui ont moins de moyens, il vaut peut-être mieux attendre 10 ans, et peut-être même un peu plus que 10 ans encore, si ça permet de le faire dans de meilleures conditions. Je regarde attentivement le body language de Grégoire pour voir si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est évidemment lui le spécialiste, moi je ne suis plus dans le secteur. Mais disons, on fait des progrès en la matière, on fait des progrès en technologie de batterie, le fait qu'on investisse maintenant des centaines de milliards dans le secteur automobile pour des batteries va avoir des effets sur les technologies qu'on met en œuvre et sur les coûts. Alors on va devoir électrifier, ça veut dire qu'on va devoir renforcer nos réseaux. Et en fait, quand vous parlez aux acteurs en la matière, ce qu'ils vous disent, l'argent, on l'a. On a déjà obtenu les augmentations de tarifs, la décision a été prise, on ne trouve pas les gens, on ne parvient pas à obtenir les permis. Et donc, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, au rythme où on avance, si on ne parvient pas à plus facilement trouver les gens, des gens qui sont prêts à travailler dans le secteur hein, des ingénieurs et des gens qui vont aller tirer les câbles et autres, on n'y arrive pas, et on a un gros problème pour obtenir les permis. Donc là, on va devoir faire l'effort beaucoup plus que... Alors, on estime à 20 milliards les investissements qu'on va devoir faire dans les réseaux. Si on double la production d'électricité, bon, allez, ça va correspondre à 5-10 euros du mégawattheure. C'est pas marginal, mais c'est pas nécessairement la catastrophe, et il y a encore beaucoup d'incertitudes dans la matière. Alors, un discours peut-être un tout petit peu plus risqué que je tiens aujourd'hui, mais après avoir parlé à beaucoup de gens, on a fait des analyses assez poussées à la banque en la matière, a trait à la problématique de l'isolation des bâtiments. Vous connaissez le slogan, l'énergie la meilleure marché et l'énergie qu'on ne consomme pas. Alors s'il s'agit de prendre une douche froide, je peux difficilement être en désaccord avec le constat, une douche froide coûte moins cher qu'une douche chaude. En matière d'isolation des bâtiments, het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Isolatie, als je naar een label F, naar D of naar C, is dat misschien efficiënt. Maar als je naar A gaat, dus zeer goed geïsoleerd huizen, het is heel duur. Daarom zijn inschatting toe, 350 miljard hebben wij nodig om dat te doen. Nu, alle regio's, gewesten in België, hebben beslist om naar A te gaan tegen 2050. 350 miljard. Wie weet wat de inschatting is van McKinsey, van de investeringen die moeten doen in de industrie, 30% van uitstoot in België, meer dan de woningen, om naar net zero te gaan tegen 2050. Hoeveel miljarden? 50 miljard hebben wij nodig in de industrie om naar nul te gaan. Volgens McKinsey, give and take 25 miljard. Woningen, minder dan 30% van uitstoot, 350 miljard. Si vous parlez aux gens dans le secteur, ils vous disent tous, no way, on devrait tripler le rythme d'isolation des bâtiments, on n'a pas les gens et c'est trop cher. 65 000 euros en moyenne par ménage. Alors si je dis ça, c'est probablement encore un peu abstrait, alors je vais le dire d'une autre manière avec une anecdote. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a des gens là qui travaillent de la Commission européenne, il y a même des gens de l'ECB, ils ne sont pas nombreux, mais qui travaillent ici à Bruxelles. J'en ai rencontré un récemment qui me dit « j'ai vu une chouette maison à Bruxelles, 400 000 euros, c'est dans mes cordes. J'avais envie de l'acheter, j'ai quand même demandé un devis pour les frais d'isolation
pour mettre la maison aux normes. 200 000 euros. Trop cher pour moi, j'achète pas. Je crois, peut-être que je me trompe, que si quelqu'un qui travaille à la Commission européenne vous dit, et pas quelqu'un qui vient d'être engagé tout jeune, qui a déjà un niveau assez élevé, vous dit, moi, isoler ma maison, c'est trop cher pour moi, je crois qu'il y aura probablement d'autres gens en Belgique qui vous diront la même chose et de manière un peu plus véhémente. Alors, est-ce que je suis en train de plaider pour dire on laisse tomber l'objectif ? Pas faisable, non. Simplement dire de doelstelling moet zijn dat wij geen uitstoot, dat wij naar nul gaan. Als men naar nul kan gaan met een isolatie, en ik spreek hier meestal van bestaande woningen, nieuwbouw is een ander verhaal. Maar in feite, elke gebouw, bestaande gebouw is een ander verhaal. Soms is het doenbaar, soms niet, soms heel moeilijk, soms niet te moeilijk. Als we gewoon zeggen, als het nul is, is het goed. Als het C is, dus minder goed dan A, met een warmtepomp en groene elektriciteit, en op termijn zal elektriciteit groen moeten zijn, is het ook oké. Donc le plaidoyer est simplement pour dire, ne vous fixez pas, ne faites pas du fétichisme sur la manière, visez l'objectif. S'il y a d'autres manières d'y arriver qui sont moins chères, ouvrez la porte. Évitez ce que quelqu'un, j'ai adoré ça un jour dit dans un séminaire interne à la banque, on était en train de parler de la typologie verte en Europe, et puis je posais des questions, mais je dis, mais ça c'est quand même très cher par rapport à telle autre solution qui est moins chère. Il me dit, Mr. Governor, you don't get it. If you believe that what they are doing there is about getting to net zero in an efficient way, you're wrong. It's about being dark green. Voilà, donc simplement, comme ça, on ne va pas y arriver. C'est faisable, mais il faut, pour chacune des mesures qu'on doit prendre, s'assurer que c'est faisable politiquement. Et simplement, si la réponse est chaque fois « oui, mais il faut trouver des centaines de milliards, et tant pis, et l'État va dépenser », même comme ça, alors qu'on n'a pas l'argent, on va même sans doute pas y arriver, parce qu'on n'aura pas les permis, parce qu'on n'aura pas les gens pour le faire. Donc, on se retrousse les manches, on met les mains dans le cambouis, et on a chaque fois un débat où on voit ce qui est faisable ou qui n'est pas faisable. Voilà, c'est un plaidoyer qui était peut-être un peu risqué, parce que tout ça, c'est dans des décrets régionaux, mais je crois que c'est important qu'on puisse avoir ce genre de débat. J'en arrive à ma conclusion, j'ai été un tout petit peu plus long qu'une heure, mais pas trop long, j'espère. Message pour l'année 2023, jusqu'ici tout va bien, alors c'est pas le film de la haine de Skasovic, hein, vous savez, le type qui saute d'une tour, et puis il est en train de descendre, il dit « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici ». C'est pas ça mon message, on va pas s'écraser au sol, mais quand même, n'extrapolez pas l'année 2023 qui a été bonne en disant « walk in the park, tout va bien ». On a épuisé une partie de nos réserves, on a épuisé une partie de nos marges de manœuvre, on va devoir les reconstituer, et donc ce n'est pas un constat simplement d'une bonne année qu'on peut extrapoler. On a des enjeux très importants face à nous, vergrijzing, productivité, klimaat, de werkstelling enzovoort, en het vergt hervormingen, soms diepgaande hervormingen. Wij kunnen beter, wij moeten beter. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un petit Obama, mais vraiment, je crois que dans une série de domaines, il y a moyen de faire mieux. Merci beaucoup pour votre attention. Hartelijk dank.